sommes frères. Tourne-toi, regarde ton voisin, dis je suis ton frère. Alléluia. Donc ici là, les titres là, ça tombe, d'accord. Nous rentrons dans la sainte parole de Dieu. Donc, au fur et à mesure, pendant ces 5 jours, nous allons essayer de déshabiller et dénoncer tout ce qui s'est passé. Le but de cette dénonciation, ce n'est pas pour dire que tel est faux, tel est ceci. C'est parce qu'en fait, nous avons hérité des systèmes. Nous avons hérité des choses qu'il va falloir qu'on réexamine maintenant à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite chacun de nous de prier afin que le Seigneur nous donne un cœur disposé. Parce que c'est pour eux que ce que tu as toujours pris pour vrai semble être faux. Et c'est ça le problème maintenant. Amen. C'est-à-dire, ce que tu as toujours considéré comme vrai. On va regarder à la lumière de la parole de Dieu cette fois-ci. Qu'est-ce que la Bible en dit? Au mois d'avril, mars dernier, il y a mon beau-frère, le petit frère de mon mari, de leur papa. Mm-hmm. Ils ne sont pas chrétiens du tout. Ils devaient aller faire. Ils avaient pour programme d'aller faire. Tu sais, les trucs des crânes, tradition. Et avril, il envoie un message à tous sa nièce, y compris qu'il a dit c'est Aurélien, en disant que cette année 2021, toute personne qui se trouve n'importe où sur cette terre doit se préparer pour aller au village faire les trucs de tradition. Mais ils sont un décret comme Nebuchadnezzar. Voilà. Donc, moi je me trouve confrontée à ça comme d'habitude, parce que même les parents de leur côté, de ce côté-là, quand ils sont morts, les parents de mon mari, mon ex-mari, et les enfants n'avaient pas voyagé, de peur qu'ils tombent dans ce truc-là, de cette ironie après le deuil, les vœux, tout ça. Bon, bref. Donc, j'ai téléphoné à Baba Tani pour exposer la situation. Il m'a dit, bon, de prier et puis d'expliquer la situation, que les enfants ne peuvent pas faire ça. On était à... celui qui sort le décret, c'est qui? C'est le petit frère direct de Papa de Claire. Il est successeur. Oui. Il est successeur, donc il est le gardien de la tradition. Bon, donc, en tout cas, de toute façon, la question est comprise. Mais je vais alimenter un peu ça pour qu'on saisisse bien. En tant que gardien de la tradition, et qu'il n'est pas la pensée renouvelée, il est normal qu'il suive la charte de ce qui lui a été confié comme charge. Bien sûr, Il faut qu'on se comprenne très bien. Lorsqu'on nomme quelqu'un dans un emploi civil, on nomme dans un poste, supposons par exemple que c'est dans le mine et énergie, il y a une feuille de route selon l'énergie et les mines. On peut te nommer à une mine et énergie, tu commences à dire que non, mettez-moi là Roger ou de Marco Sport. Le sport n'est pas son domaine de compétence. Voilà. Maintenant, qu'advient-il donc maintenant si on nomme un ministre à la jeunesse et au sport et qu'il en est de parler dans une conférence de l'administration territoriale? Qu'est-ce que quelqu'un qui est de l'administration territoriale dira à celui-là? La question est posée. Qu'est-ce que la personne qui est... C'est-à-dire qu'on me nomme. Oui. Mon poste, c'est la jeunesse et le sport. Oui, d'accord. Voilà mon domaine. Il y a des feuilles de route qui travaillent la jeunesse et le sport dans tout le domaine. Tout à fait, oui. Et puis, on me voit dans une colloque en train de parler de la décentralisation. Et puis, comme on vous a parlé maintenant de la territorialité des compétences, il parlait des lois territoriales, ainsi de suite. Non, ça n'a pas territoriale. Mais toi, si tu es dans ce domaine-là, en tant que juriste ou en tant que... Qu'est-ce que tu dirais dans ce conflit? Mais non, qu'il est hors de son ministère. Il est hors de son ministère. Il est hors de son ministère. Hors sujet. Mais pourtant, il est en train de parler au Camerounais. Pourtant, il est en train de parler du Camerounais, mais il y a quand même un ministère qui était dédié à ça. Voilà. Donc, ça veut dire concrètement que malgré que cette personne ait une personnalité, attribué à un domaine bien précis. Bien sûr. Il ne lui sied pas de parler dans un autre domaine qui ne le concerne pas. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Oui. Et par conséquent, quand bien même il se rend de parler avec l'autorité qui lui a été donnée, quand bien même il se rend de parler toujours au Camerounais sur qui il est censé adresser, il est sorti de son domaine. Nous sommes d'accord. D'accord. Alors, nous revenons dans l'exemple qui nous convient maintenant. Toute tradition, quel que soit le cas, toute tradition consiste à l'adoration d'un être. Vous ferez mieux d'enregistrer parce qu'il ne faudrait pas que. En tout cas, c'est très important. Bamba, c'est bon. Toute tradition. Toute tradition. Il dit bien toute tradition. On va y aller. Merci, merci, Père. Toute tradition, quel que soit l'endroit où il y a, quel que soit le coutume qui est, il est question des divinités. Oui. Il dit bien toute tradition. Quand tu entends par exemple les doigts là disent qu'il faut honorer les ancêtres, on dit. C'est parce que s'ils disent les démons, on dit, personne ne les suivra plus. Tout à fait. Quand tu entends, on dit que ton père qui était au village a dit comme ça, que personne. C'est ton père qui est fâché, il n'est pas fâché du tout. Ce sont les démons. Oh, maintenant, est-ce que tu as vu un marabout quelque part qui veut faire la fête et dire, oh Satan? Non, il dit Dieu. Il dit, oh mon Dieu. Tout le monde dit, oh mon Dieu. Même Satan, il dit, oh mon Dieu.
Donc, au moment du secours, on sait que Satan n'est d'aucun secours. Mm-hmm. L'exclamation vient automatiquement pour appeler au secours celui qui peut secourir. D'accord. Le Dieu qui secourt, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce dont la Bible parle. D'accord. Il faudrait mettre ici au milieu, comme ça va bien enregistrer là. Est-ce que ça va bien enregistrer? Oui, c'est bon. Alors, j'étais disant ceci. Quand quelqu'un sort de son domaine de compétence, il ne lui sied pas de parler. Et tu remarques que tout à l'heure, tu as dit que pour ce qui est de cette personne-là, toi, tu lui diras qu'il n'est pas de sa compétence de parler ainsi, quand même il soit revêtu d'autorité. Donc, il doit juste parler de ce qui lui concerne. Oui, bien sûr. Lorsque nous lisons le livre de 1 roi, je vais aller doucement vraiment. Lorsque nous lisons le livre de 1 roi, justement dit ça. C'est, oui, d'accord. Okay. Il y a un prophète qui est venu pour fustiger les agissements de Jéroboam, le roi Jéroboam. Il était en train de brûler le parfum. Il brûle le parfum. Oh, le parfum, c'est le symbole d'adresser les prières. Il est roi. Ceux qui adressent les prières à Dieu sont les sacrificateurs. Le prophète est venu dire qu'il n'est pas de ton domaine de faire les prières. Ce n'est pas à toi de faire ça. Tu ne peux pas être à l'autel. Parce que la loi de Moïse dit c'est les sacrificateurs, fils d'Aaron, qui doivent amener la prière, les parfums, brûler les parfums. Comme on a vu le cas de Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste est venu faire les parfums. On dit qu'il a entré selon son nom, selon sa classe. Vous avez Zacharie pour aller brûler. On dit le peuple attendait de passer. C'est lui seul. Il est revêtu de la majesté avec les attributs pour amener le parfum, donc la prière, les supplications du peuple d'Israël devant Dieu. Voici un roi qui quitte son domaine, il a débrouillé le parfum devant Dieu. Et pendant qu'il en a parlé, il était fâché. Le roi, et chaque fois quand tu dis à quelqu'un, tu es sorti de ton territoire, il va toujours se fâcher. Parce qu'il est d'abord revêtu d'une autorité. C'est vrai, il était roi. Vrai, il contrôlait tout Jérusalem. Il contrôlait tout Israël, il est le roi d'Israël. Le prophète avait dit de lui, et le prophète Ikadja avait dit que Dieu va déchirer 10 royaumes et il va lui donner 10 à lui. Et donc il avait cela. Mais sur ce plan-là, il avait quitté le domaine qui lui était échu. Maintenant, quand il a fait ça sur l'autel, parce que l'autel c'est une table sur laquelle il y a les sacrifices, quand il a fait ça, le prophète était de l'autre côté de l'autel, il dit que ainsi dit l'Éternel, il n'était pas fait. Il a envoyé la main comme ça pour l'attraper. Que tu dis ça à qui? La main est devenue sèche comme ça de la lèpre. Et l'autel s'est fendu en deux. Donc, nous voyons dans la Bible clairement comment quelqu'un a quitté un couloir qui n'était pas sien et commence à adresser quelque part. Donc, je reviens pour le cas d'espèce. Toute personne donc qui est gardien de tradition, c'est un évangéliste de Satan, ou bien encore l'évangéliste des porte-paroles, ce sont des prophètes des divinités. Parce qu'il est intermédiaire entre cette divinité-là et le peuple. Puisque, on va te dire que cette année, si vous ne venez pas au village, on vous lave, on fait tel sacrifice, telle chose, ne vont pas aller. Les ancêtres, ils s'appellent les ancêtres. Mais en réalité, ce sont les démons. Ils sont les démons. Les ancêtres vont se fâcher. Et par contre, quand cette personne, si vous transmet le message, donc, il transmet le message des ancêtres. Donc, ça veut dire concrètement, il est un porte-parole. Donc, c'est un prophète des démons. Maintenant, allons dans les Saintes Écritures, lis ce que les Saintes Écritures disent d'abord de ces choses-ci avant d'avancer. D'accord? Amen. Lévitique. Elle déguste maintenant sa première Bible pour la première fois. Ça sent non, bon, ça sent encore bon, non? Ça sent encore neuf, quoi. J'ai une Bible, mais c'est vrai que celle-là est neuve, mais j'en ai une. Lévitique, si vous êtes, je vous donne le verset. Lévitique, chapitre 19 déjà. C'est toi qui vas lire. Hein. C'est moi qui lis. Chapitre 19. D'accord. Maman, tu as trouvé? Oui. Vous êtes bienvenue au Cameroun. Amen. Merci. Vous avez vu que j'ai déposé ma Bible du côté. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre Bible qui est ouverte entre vous et moi maintenant. Alléluia. Amen. On y va là. Oui. Le verset 31 seulement, qu'est-ce que ça dit? Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Oui. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Oui. Voilà ce que Dieu dit. Donc le Seigneur dit ici, il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Or, votre patriarche ou bien quiconque se livre à cette pratique-là est. Mais souvenez-vous que la personne même qui est devant vous, qui est votre oncle ou bien qui n'importe quiconque est, n'est pas la problématique. La problématique, c'est que derrière lui se trouvent les esprits. Et maintenant, comme il est intermédiaire, cette personne-ci, il y a des esprits de l'autre côté qu'on ne voit pas. Donc il fait office d'intermédiaire entre le monde invisible et les personnalités physiques. Et donc, lui, il est le porte-parole de ces esprits-là. Ils viennent vers eux, vers vous. Pour dire, les ancêtres ont dit que toi tu ne les vois pas, tu ne les connais pas, tu n'entends pas leur voix, mais celui qui est le porte-parole, il dit, les ancêtres ont dit que si on ne fait pas tes sacrifices, tu vas arriver. Et beaucoup de personnes qui ne font pas des choses comme ça leur arrivent, parce que les esprits qu'ils incarnent sont puissants. On va voir ça maintenant dans les anciennes écritures. Mais voici ce que Dieu dit. Il dit à ceux qui habitent ici, il dit, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits. Donc si cette personne est en relation avec les esprits là,
ne vous tournez point vers. Point. Ça commence à poser des choses, des problèmes ici. Mm. Oh, Dieu dit ici, il dit des peurs de vous souiller. Mm. Le mot c'est souiller. Mm. De souiller avec eux. Mm. Bon, maintenant, ça veut dire que si je vais vers cette personne, se consulter, il dit que le père a dit que, la grand-mère a dit que, l'ancêtre a dit que, il dit que le fait de faire ça, tu vas te souiller avec eux. Mais je pose la question, comment est-ce qu'on souille pourtant, vous bavardez seulement? Qu'est-ce que la Bible a déparé par souillé ici? Il a déparé de la possession démoniaque. Des possessions démoniaques, oui. Parce qu'en fait, physiquement, c'est pas, il est là, mm-hmm. mais en lui, ce sont ces gens. Ce sont les esprits. Parce qu'en fait, tu seras en train de boire des larves, des boues venant des démons. De la Bible appelle ça dans le livre de Proverbes la force de la prostituée. Mm-hmm. La langue douceur de la prostituée. C'est ça, mm-hmm. c'est ça que Salomon parle dans le livre de Proverbes. Mm-hmm. Alors, donc, il dit... Si tu vous tournes vers eux, tu te souilles. Tu te souilles. Il dit, je suis l'Éternel. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 4, verset 14 à 19, il dit, Dieu donnant toutes ces choses aux gens, il avait dit, lorsque Dieu vous a apparu à Horeb, il ne vous a pas présenté par une figure pour que vous voyez. Donc, il dit, prenez garde pour vos âmes, de peur que, levant les yeux vers le ciel, vous ne vous tournez à vous corrompre, vos âmes. Mm-hmm. Que vos âmes ne viennent à se corrompre. Parce que tu vas te tourner vers les étoiles. Il y a des gens, quand tu vois par exemple la religion musulmane, tu vois que le symbole c'est la lune. Tu vois, pour les catholiques, tu vois que c'est le symbole sur le soleil. Mm-hmm. Tu vois, pour telle autre personne, c'est le symbole sur le soleil. Dieu a dit clairement qu'on ne peut pas faire une récréation. Donc, en réalité, il y a les divinités dans les cieux, qu'on appelle les astres, qui ont invoqué les religions sur la terre. Bien les sûr. Gens, ils vont. L'autre, il y a des gens qui se tournent vers l'Orient pour pouvoir se prier. Mm-hmm. L'autre se tourne vers l'Occident. L'autre se tourne. Dieu parle de l'armée mm-hmm. tournant, se tournant vers l'armée des cieux. Mm-hmm. On devient assez prosterné devant mm-hmm. dans leur présence. Mm-hmm. Or, quand Dieu dit ceci, il dit veillez sur vos âmes. Donc, le problème, c'est l'âme. Quand tu vois, quand les gens ne comprennent pas ces choses, on dit non, j'ai fait ça et l'emploi, comme j'étais bloqué dans l'emploi, j'ai trouvé mon emploi. Mais il voit effectivement, et Jésus Christ pose la question dans Jean, Matthieu chapitre 10, verset 28, à quoi servirait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et il dit que n'aie pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien faire à l'âme. Donc quand quelqu'un dit, oh j'ai fait ça, mon situation a été débloquée, mais Satan sait effectivement qu'il faut qu'il te contente pour t'attacher. Oui. Ça fait le temps que quand cette situation s'est débloquée une fois, tu deviens maintenant. Un lien avec eux. De temps en temps, tu sais, non, mais si tu avais dit comme ça et que c'est arrivé, tu es lié avec eux pour toujours. Mm-hmm. L'âme est possédée. Il y a n'importe quoi, tu vas le consulter. Que, je t'envoie ma photo là-bas, là, tu me fais les choses. L'alliance est là. L'alliance est là. Parce que ce sont les esprits qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu signe ici à la fin, il dit je suis l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut par là dire? Il dit souvenez-vous, je suis Dieu. Ok, si Dieu est Dieu et qu'il est tout puissant, tout, ça veut dire que s'il y a n'importe quoi que ceci veut me faire, je me confie à lui. David dit dans le psaume 35, il dit que tandis que je les aime, ils me détestent sans cause, mais moi j'ai recours à la prière. J'ai recours à la prière. Il n'y a pas besoin d'amulettes, il n'y a pas besoin des chaînes pour se protection, ni de l'eau glacée pour se protéger. Non. La parole. On comprend jusque là. Hein? Tout à fait. Donc en réalité, maintenant, Dieu dit interdiction de les contacter. Parce que si vous les contactez, il y a une conséquence, oui. La souillure. Donc, le langage de l'Ancien Testament de la souillure, donc, pour le cas précis, il parle de le contact avec le démon. Le contact, ça, c'est le contact avec le démon. Donc, il parle de la possession des âmes. Or, quand le démon te possède, l'âme, tu n'es même pas au courant parce que c'est un esprit. Tu vas voir comment on voit les effets dans ta vie. Le jour où tu t'approches de la sainteté de Dieu, c'est là où tu comprends que ton âme a été souillée. Parce que Dieu avait dit qu'on ne fait pas. C'est un peu comme un enfant qui tombe dans la boue sans avant de corps. Il ne sait pas créer la saleté sur lui. Maintenant, quand cette personne-ci est un serviteur du diable, et toi tu dis, tu regardes à la chair, tu dis que non, c'est quand même mon oncle, c'est quand même ma chair, garde-toi à l'esprit que Dieu a dit, si tu vas vers lui, ton âme sera possédée. Je crois que c'est mieux d'utiliser le langage du Nouveau Testament maintenant. Donc tu pars avec quelqu'un qui invoque les esprits, tu te contactes, tu le contactes, vous serez possédé. Parce que lui, il est déjà possédé. Il est possédé pour posséder. Un peu comme un chrétien sanctifié est sanctifié pour sanctifier. La Bible déclare que nous participons à l'aspersion du sang. Dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Quand nous prêchons, c'est ce même sang-là qui coule au travers de nos prédications pour sanctifier les gens au travers de la vérité qui est prêchée. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors non, je reviens maintenant sur le cas espèce. Quand quelqu'un dit donc, non, voici le décret. Comme il a signé le décret, comme vous connaissez ça. Il dit... Sur toute, vous êtes n'importe où, sur toute la terre, il y a un rassemblement qui va se passer tel jour, chacun doit amener la contribution. Mm-hmm. Le décret est donné. Qui lui a donné de tenir ce décret? Qui? Ce sont ces démons-là. Ok, maintenant, quelle est l'attitude de quelqu'un maintenant qui se trouve dans l'autre côté et qui se dit que celui-ci, ça passe la tradition? Moi, c'est les Saintes Écritures. Il a des sorties hors de son territoire. Mm-hmm. Quelqu'un qui est de la tradition n'a pas le besoin de me commander sur quoi que ce soit parce que celui qui a autorité sur moi, c'est Jésus. Amen. Tu vois cela? Amen. Jérémie chapitre 10. Jérémie, le prophète.
Et puis, comme Jérémie à côté d'Isaïe, le prophète, nous allons y aller également. Jérémie, le prophète. On attend d'abord que la lectrice puisse se retrouver. C'est pas évident quand tu as une nouvelle voiture. Même quand tu as une nouvelle voiture, pour où je trouvais les images arrière, là, c'est pas souvent évident. Jérémie. Donc, après ça, justement, on va aller dans le livre des prophètes d'Isaïe. Chapitre 10. Comme tu as l'air d'arrêter, tu vas faire les autres comme ça, ta voix, tu vas écouter ta belle voix dedans, d'accord? Allez, on y va. Le verset 2 et 3 seulement. D'accord. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Oui. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Mmh. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Ouais. Donc tu vois clairement que Dieu va nous montrer clairement que tout ce qu'on a fait, c'est l'œuvre humaine au travail des démons. Il dit ainsi parle l'Éternel. Ne craignez pas le signe du ciel parce que les nations les craignent. Donc si font ça, chez nous, ici, les Bouddhas, chez nous. Et Manuela, c'est quoi? Tiens, fille. Il va te pousser. Va rester avec lui. On a le travail dans la Bible, d'accord? Alors, donc. Ici, le Seigneur nous dit au travers du prophète, de Jérémie, le prophète, il dit que ne craignez pas le signe parce que les nations le craignent. Donc, ça dit que ceux qui craignent, ne t'inquiètent pas, ne t'inquiètent pas là-dedans. Il dit les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples. Bon, c'est que vous observez dans votre tradition. Est-ce la coutume des dieux ou bien la coutume? Parce que Jésus lui-même a sa coutume. Dans le livre de Luc au chapitre 4, c'est à partir du verset 15, la Bible déclare qu'on dit qu'il est entré à Capernaum chez lui. Mais le frère Harry, on t'appelle, tu as ton téléphone est fermé, tu ne veux pas venir partager avec nous, non? Excusez, hein? Non, il n'y a pas de souci. Ce sont mes frères comme ça. Il est rentré dans la maison. Il va sortir ici. Les peuples ne sont donc, que vanité. Il dit ici que les coutumes des peuples ne sont que vanité. C'est comment? Depuis on t'appelle, ton téléphone est fermé. Tu ne veux pas partager avec nous? Tu ne veux pas partager? Viens alors, je prends la chaise, t'asseoir là ici. Ou bien tu vas aller voir ta femme. Elle est pas là, c'est vu la nuit. Ah, tu as la servi la nuit, viens t'asseoir ici là-bas, frère Henri. Alors donc, ici dit, les coutumes du peuple ne sont que vanité. J'étais disant ceci, Jésus lui-même avait ses propres coutumes. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 15, on dit qu'il entra dans la synagogue selon sa coutume. On lui donna les. Donc, il a ses coutumes. Ses coutumes à lui, c'est de lire la parole. Prêcher la Bible. Donc, le Seigneur a sa coutume. Nous avons quoi, les gens, les traditions du monde ont leur coutume. Mais Dieu dit que sa part de coutume est bon. Parce qu'il dit que pour le monde, n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la liberté, et nous encore du libertinage, les gens disent que sur quelle base tu juges notre foi? Mais c'est Dieu qui dit que votre coutume n'est que vanité. Ça, c'est, Dieu a bien arrangé ça. Modernement, aujourd'hui, s'il vient dire la même chose, il dirait que votre coutume, c'est démoniaque. Oui. Absolument, c'est ce qu'il veut dire. Tu vois cela? Donc, il dit car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Lorsqu'on touche ces pensées comme ça, très souvent, les gens de l'Afrique, particulièrement, parce qu'il y a des groupes qui se lèvent maintenant pour dire que la vraie religion, c'est la religion, c'est ça qu'on retourne à notre religion. Tu vois que le revers dans tous les plans. Pendant que les jeunes sont en train de réclamer maintenant la place aux vieillards sur le plan politique, les gens de la religion sont en train de dire, tu ferais mieux de prendre deux chaises, ça risque de te renverser. Pendant qu'on a fait cela, entre-temps, les religieux sont en train de se réveiller sur le plan de la religion. En même temps, on a se réveiller sur le plan des coutumes. Les gens sont confrontés à la Bible en disant que les religions écrites ont été importées. Il y a des gens qui font des séances pour brûler la Bible, disant que ce sont les coutumes des Blancs. Or, là, vous voyez que ici, Dieu n'a pas taxé des coutumes africaines. Il a dit les coutumes des peuples. En plus de cela, pour ce qui est de ces cas-ci principalement, l'Afrique n'avait rien à voir là-dedans. Oui, oui. Non. L'Afrique n'avait rien à voir là-dedans. Parce qu'il dit ceci parce qu'il y a des gens qui disent que non, les Africains ont imposé les choses des Blancs. On dit les coutumes des peuples. Ne craignez pas donc, le signe de ça parce que les nations le font. Ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Qu'il y a le coutume n'importe où. En tout cas, lorsque nous lisons le livre de. Si tu fais comme ça, d'accord. Si tu sens que non, ça pas, tu fais comme ça, là, ne t'inquiète pas, fais comme ça, là, je vais me comprendre qu'il faut qu'il baisse. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 16, vous avez moi, n'est-ce pas? D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 16 jusqu'au verset 33, voici ce qui est dit. La Bible déclare que pendant que Timothée avait été envoyé et que Paul l'attendait à Athènes, la Bible déclare qu'en attendant à Athènes, il a vu cette ville-là pleine des idoles. Il avait vu beaucoup de statues partout. On dit Athènes, c'est en Grèce.
C'est chez le Bamileke? Non, pas du tout. C'est en Afrique? Non. Non. On parle pas. Voilà. Tu donc, parles même pas de l'Afrique là-dedans. Ici, on dit qu'à un rond-point de l'eau, en quittant pour la Bamileke, si vous avez vu ces choses bizarres qui est en plein rond-point, on dit que non, ça fait la fierté du Cameroun, que c'est le monument. Là, il avait vu du vide pour les idées, on avait dit que. Aujourd'hui, chez nous, ici, on dit que monument de Rudolf Mouroula Mangabe, monument Oumnyobe, on dit que ce sont les célèbres héros qui ont travaillé pour nous. Ok. Maintenant, quand Paul, lui, il a vu cela, il a vu, observé partout. Il a commencé à dire aux gens, commencé à parler aux gens qui rencontraient dans la rue. Les gens ont dit, parce qu'il y avait les stoïciens là-bas, les épicuriens, ainsi de suite qui passaient. On dit que les Athéniens attendaient leur temps, ils passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les bonnes nouvelles. Ils aimaient les breaking news. Le Congo, ça, dont les Athéniens étaient des Congosaïens. Quand ils ont entendu parler de Paul, ils ont dit que prendre. Il y avait un endroit là-bas, quand tu disais que tu étais sage, on te mettait que là-bas, que prouve ta sagesse. Parce qu'il y avait des gens à l'intérieur qui étaient nantis de sagesse humaine et qui déposaient, qui sont peut-être coincés. Quand on te coince une fois, toi, tu n'as plus monté là-bas au pupitre. On a mis Paul là-bas, on a dit nous, c'est comme si tu es proche des divinités là qu'on ne comprend pas. Ta part là, on ne comprend pas. Tu sors de ta part. On connaît les stoïciens ici, on connaît tous les autres là, les Socrates, ainsi de suite, on connaît. Toi, c'est quoi? Il dit le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite point dans un temple fait de main d'homme. Il n'a point servi par un main humain comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui produit en nous le mouvement et l'être. Tu vois cela? Il dit, j'ai parcouru votre ville. J'ai vu que vous êtes vraiment extrêmement religieux. Il dit, ce Dieu-ci, ce qui est amusant dans la phrase de Paul, c'est que ce Dieu-ci, il dit dans le temps passé, a laissé que les hommes le cherchent en tâtonnant. C'est lui qui a laissé. On dit que c'est lui qui a laissé. Ok. Cette phrase montre que si Dieu laisse les hommes sans venir vers les hommes, personne ne peut le retrouver. Personne. Et quand il a laissé pour qu'il cherche en tâtonnant, et l'un des pans de la révélation de Paul se dit, c'est que il dit bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. Donc, imagine que si par exemple il fait mesure, il sort de chercher le frère Manuel ou bien le frère Harry. J'ai fait comme ça. Je vais le toucher normalement. Oui. Comment Dieu à côté de nous, on tâtonne, on va créer un Bouddha. On tâtonne, on sort Confucius. On tâtonne, on sort Allah. Comment se fait-il? Des divinités qu'on ne connaît pas. Donc, les démons qu'on n'a même pas vu à faire, qu'on ne connaît pas du tout, c'est eux, les représentations qu'on met au-devant de nous. Pourtant, Dieu qui a créé le ciel et la terre, on dit qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Donc, Dieu a laissé que les gens le cherchent. C'est lui. On dit qu'il a laissé que les gens le cherchent en tâtonnant. Et les gens ont tâtonné, personne ne l'a retrouvé. Pour montrer que le chemin pour retourner à Dieu, c'est Dieu qui va donner le chemin. Et le mois est venu, il a donné le chemin que Paul va présenter là-bas, Jésus. Jésus donc, est le chemin par excellence, ou mieux, l'unique chemin pour trouver Dieu. En dehors de lui, tous les autres sont les idoles. Et donc, Paul continue donc, la lecture de sa parole là-bas en disant donc, que ce Dieu, dans le temps passé, a laissé que les gens le cherchent. Et puis, il a dit que maintenant, comme il était sur le pupitre là-bas, qu'il a dit que maintenant. Quand il dit maintenant, donc, à cet instant-ci, la porte du ciel et de l'enfer était ouverte pour quelqu'un qui était devant de lui pour accepter ou pour refuser. Il dit que tout ce que vous avez fait là, c'était l'ignorance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle maintenant les hommes. Il dit en quelques lieux. Bon, quand il dit quelques lieux que ce soit, c'est seulement chez les Africains. Non. Parce que les gens disent que non, ça, ce sont les traditions des Blancs. Dans la repentance, il y a quelle tradition des Blancs dedans? Non, rien. C'est ce que Paul dit. Paul dit dans le verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle maintenant les Africains à se repentir. C'est ce qu'il écrit? Non. Il a dit quoi? Les hommes, en quelque lieu que. Donc, si tu te rencontres en tant que. Si tu te lis et tu te rends compte que tu es un être humain, parce que pas de l'homme, l'homme c'est en tant qu'être humain. Car tous les êtres humains, qu'ils aient à se repentir. Bon, y a-t-il des choses que les blancs doivent se repentir, dont les Africains ne doivent pas se repentir? Donc, il a dit les hommes, en quelque lieu que ce soit. Donc, si tu habites n'importe où, tu as besoin de la repentance. Oui. Il dit. Il ne tient pas compte de temps d'ignorance. C'est-à-dire que, ok, vos vanités, tout ce que vous faisiez qui était le moins arrivé maintenant, Dieu vient maintenant pour amener les gens vers lui. Il dit, ce dont il a donné la preuve en résistant, celui donc qui va juger. Donc, la personne qui est censée juger, c'est la personne qui est venue comme étant le chemin. Il dit qu'il appelle maintenant. Donc, le mot, l'emphase est bien mise sur maintenant. Quand il dit maintenant, et le Saint-Esprit dans Hébreu chapitre 4, verset 7, il dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, à l'instant, on a entendu à cet instant le jugement entre sur nous. Parce qu'il n'y a plus de repentance si vous rejetez. Et devant les juifs qui étaient là-bas, il a dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez, si vous ne croyez pas que je suis donc le solutionneur du péché. Si je suis la solution, vous ne croyez pas que je suis la solution au péché, pas une solution. La solution au péché, vous mourrez dans le péché. Donc, le péché va caler sur vous. Vous acceptez qu'il est le solutionnaire, la solution vient à vous. C'est ce qu'il en est. Vous connaissez la vérité, ça vous affranchira. La révélation de la solution du péché. Amen. Amen. Amen.
Alors, ici, il dit, le point que je voulais, en venant dans ce livre des Actes, après chapitre 17, c'était le point ceci, parce que les gens, dans Jérémie, on a vu que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et je voulais d'abord balayer du fait que les gens disent que la Bible est venue aux Africains pour les aliéner. Que ce sont les Blancs qui ont fait cela pour les aligner. On a accepté les religions importées. Dieu n'a pas donné, la Bible qui a été donnée aux gens, ce n'est pas une religion. Dieu n'a pas créé des religions sur la terre. C'est en islam, dans le livre, dans le surat 7, la table, ce surat chapitre 5, le long, la table servie, on dit que Dieu a agréé la religion d'islam comme son unique religion. Dieu n'a pas de religion. Enfin, Allah l'a fait, mais Dieu ne l'a pas fait. Donc, Allah a la religion sur la terre. Il dit qu'il agrée cela parce que c'est la meilleure des religions. Oui. Parmi les prostituées, les belles prostituées. Mais Jésus, lui, n'est pas venu sur la terre pour une religion. Il est dit, la Bible déclare de lui dans 2 Corinthiens chapitre. Je ne sais pas s'il va vite. Hein, si non, ça va. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 et 20, la Bible déclare que nous faisons fonction d'ambassadeur. Il dit, on commence par dire clairement que Dieu n'a pas voulu que nos péchés nous soient retombés. Nous ne devons plus pour le péché. Mais Jésus est venu comme un réconciliateur et il a maintenant mis ses prédicateurs comme des ambassadeurs. Ceux qui le représentent dans ce pays, le monde ici, pour faire venir les gens à lui. Donc, un ambassadeur, comme nous discutions tout à l'heure, là, c'est un représentant dans un pays pour que s'il y a n'importe quelle traité avec le pays, on le contacte pour les affaires administratives. Bien sûr. Le ministre de Dieu. Oui. Alors, on peut signer le visa pour quelqu'un d'entrer dans notre pays. Ah. On peut refuser le papier, genre, dans notre pays. Ceux à qui vous retenez le péché, j'y retiendrai aussi, dit le Seigneur. Amen. Amen. Vous entendez cela? Amen. Alors, donc, le Seigneur est venu pour la réconciliation. D'accord. Et si donc c'est pour la réconciliation, forcément, il y avait un problème. Mm. Donc, il y avait un problème entre l'homme et Dieu. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, appelle maintenant tous les hommes, en quelque lieu que ce soit, bouddhiste, noir, blanc ou quoi que ce soit. Oui. Dieu n'a pas mis le nom du pays. Il dit que si tu es un homme, un être humain, il s'adresse aux êtres humains. Il ne s'adresse pas au pays. Il s'adresse aux êtres humains, aux individus. Donc, autrement dit, quand un individu entend cela, il dit, Dieu lui dit, toi, tu es voulu avec moi. Ah oui. C'est ce que le verset dit. Le verset dit, oh, toi, homme. Il n'a pas dit, oh, toi, le blanc. Il n'a pas dit, oh, toi, le noir. Nous, toi, le rouge. Nous, toi, la grâce. Nous, toi, le mince. Non. Il dit, oh, toi, homme. Donc, homme, ça dit, être humain. Tu as un problème avec moi. Mais quel est mon problème? Moi, il ne tue pas les gens. Il n'a pas dit dans ce verset, tu ne tueras point. Il a dit, tu as besoin de te réconcilier. Mm-hmm. Il y a besoin de réconciliation. Donc, si tu vis sans le Sauveur, tu as un problème avec Dieu. Tu y demeures comme ça, tu vas le rencontrer comme ton juge. Parce que le verset dit, il va juger le monde un jour par l'homme qu'il a ressuscité entre les morts. Donc celui qui juge dans le monde, c'est celui qui est venu, qui est mort à la croix. Donc tu le refuses aujourd'hui comme sauveur, tu le rencontres comme ton juge. Amen. Amen, amen. Mais il dit quoi? Maintenant, on a besoin de repentance. Mais le problème c'est qu'il n'a pas dit les Africains, il n'a pas dit les Blancs. Donc c'est un faux débat que de dire que la Bible est venue chez les Blancs et c'est la religion importée. Que les vraies religions, c'est les religions égyptiennes, c'est Mahat. Qu'il faut suivre les lois de Mahat. Qu'il faut suivre Zambé. C'est Satan qui en a fait souvent. Écoutez-moi, toutes les religions sur la terre ont été créées de façon intuitive et directe par Satan. Toutes les religions. Jésus n'est pas venu avec les religions. Moïse n'est jamais venu avec les religions. Aucun prophète, justement, des Saintes Écritures n'est jamais venu avec des religions. Ils sont toujours venus avec la réconciliation, le message de la réconciliation avec Dieu. N'est-ce pas ça? Amen. Quand Moïse est venu, il a dit quoi? Dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, il dit, écoute Israël, Shema Israël. Il dit, écoute Israël, le dernier ton Dieu est un. N'est-ce pas? Amen. Et il continue à dire que vous devez garder ce commandement-ci. Parce que c'est une alliance entre Israël. Amen. Vous voyez, une alliance. L'alliance crée la relation. Amen. L'intimité. Donc, il n'est pas question de la religion ici dans les Saintes Écritures. Il est question de la réconciliation entre deux personnes de la même famille qui sont séparées dans des dimensions différentes. Et donc, celui donc, qui veut les réconcilier voulait qu'on se réunit dans une même dimension. D'accord. La Bible déclare donc qu'il y a un seul médiateur, donc celui qui a joué le rôle entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, cela dit, dans ce livre des Actes, après chapitre 17, donc, on voit clairement qu'à Athènes, il y avait des coutumes qui s'étaient installées là-bas. Les stoïciens, les épicuriens, les gens qui n'étaient ni des stoïciens, des soirs, ceux qui écoutaient, qui étaient neutres, mais qui buvaient comme des stoïciens et autres là-bas, prenaient les arguments des uns et des autres, d'autres qui étaient des religieux, des sacrificateurs. Mais tout cela, malgré la sagesse, malgré la démonstration qu'ils pouvaient faire, malgré la sagesse philosophique qu'ils pouvaient faire, ils étaient quand même inspirés par Zeus, par Zéna et toutes les autres divinités qui existaient. Mais Paul vient avec le Dieu de la résurrection. Quand il finit son discours, la Bible déclare que lorsqu'il entendit parler de résurrection, parce que tous leurs documents ne parlaient pas de résurrection. Quand il a dit résurrection, on lui a dit, ok, on le voyait venir. Bon, à l'autre jour pour la prédication, eux, ils ont arrêté la prédication. La Bible déclare, verset 31, que cependant,
Quelques-uns cependant s'attachaient à lui et crurent. Donc ceux à qui le Messie était destiné, ils étaient partis. Donc dans ce Jérémie chapitre 10, donc, verset 3, il dit clairement qu'on ne craint, verset 2, il dit ne craignez pas les coutumes, les signes du ciel parce que les nations les craignent. C'est-à-dire qu'on ne doit pas fonctionner comme ceux des nations. Il dit car les coutumes des peuples, je veux que vous compreniez parce que les coutumes des peuples, quand il y a une coutume établie parmi le peuple, si ce n'est pas biblique, c'est démoniaque. Parce que toutes les cultures sont contrôlées par les esprits. Toutes les cultures. Amen. Toutes les cultures. C'est pour ça qu'il y a des forêts sacrées. Mm-hmm. Il y a des lieux sacrés. Mm-hmm. Et qui dit sacré, dit effectivement qu'il y a des esprits. Parce que si tu franchis la ligne du sacrilège, tu es frappé par des puissances invisibles. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Parce que le sacré a ses règles. Et donc, s'il y a le sacré qui a ses règles, alors il y a des divinités derrière. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul dit que est-ce à dire que l'autel est quelque chose ou bien la viande est quelque chose? Il dit que non. Ce qu'il dit, c'est que ce qu'on sacrifie, on sacrifie pour des démons et non à Dieu. Amen. Parce que amen. Chez les Juifs, ils avaient aussi les coutumes. Ils avaient les coutumes. Prends ça, tu bois un peu, bois un peu, bois un peu, ça va te faire du bien. Bois aussi. Je ne dois pas permettre que vous dormez maintenant parce qu'on mangeait tout à l'heure, on parlait, c'est la chose, ça va aller. Vous êtes venus ici pour ça, non? Donc, on va parler. On va parler. On va sauf que parler. Ouais. Alors, vous remarquez que quand les gens de l'ouest du Cameroun vont aller faire le sacrifice de moutons, tout cela, c'est leur inspiration de la Bible. Parce que Satan ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il prenne ça de la Bible et il pervertit. On dit par exemple que les Bamelekés, quand le papa est mort depuis longtemps, il a dit, quand il va mourir, on enlève sa tête, on enterre dans le crâne. Il y a des gens qui ont une maison de crâne, où les crânes sont enterrés. Et c'est là où les gens viennent, ils mettent les choses. Donc, tu as un parent qui, de son vivant, boit la bouillie. Peut-être là, le diabète, il ne mange pas le sucre. Le jour là, tu viens de me donner le sucre sur la tombe. Il y a même quelque chose qui ne va même pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il mangeait sur la terre la nourriture préparée. Le jour, tu viens de mettre seulement l'huile. Donc, quand il part de l'autre côté, il boit seulement l'huile. Et pour lui manquer de respect, tu verses qu'au sol. En même temps, pour te tromper, on dit la fourmi qui a été mangée, c'est lui qui a été mangée. Donc, il devient la fourmi. Donc, pour quelqu'un, il a dit il vous faut la délivrance. Vraiment. Il faut la délivrance. Vraiment, il faut la délivrance. Tu comprenais. C'est-à-dire que tu ne peux pas le coquiller. Tu viens là-bas, tu ne peux pas nourrir nos ancêtres. Il n'y a même pas ça. Ton père. De son vivant, quand il vient, tu le sais dans son plat. Maintenant, tu vas prendre le coquille, tu prends, tu fais comme ça, là, tu lances avec la main au sol. Quand tu parles, le chien va manger, non, ce sont eux qui partent dans le chien. Donc, ton père est devenu le chien. C'est terrible. Le chien des voisins. Mais ils ne réfléchissent pas. On ne réfléchit pas. Ils ne réfléchissent pas, c'est qu'ils reproduisent en fait ce qu'on leur a appris, tout simplement. Donc, il est question maintenant que chacun fait un stop et réfléchit véritablement le langage. C'est qu'ils reproduisent, en fait, on leur a transmis ça et ils ne se posent pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ils reproduisent tout simplement. Tu vas les poser ces questions-là aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui, moi? Oui, dis, est-ce que vraiment nos coutumes sont bien? Allons-y, dis savoir. Est-ce que vraiment nos coutumes sont bien? Tu arrives à quelle conclusion? Non, c'est pas bien. Mais ces coutumes-là, ils disent que si tu ne fais pas tes choses, ça va te frapper et ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand ils les interdisent, oh, toi qui es en France, si tu ne fais pas comme ça, telle chose va t'arriver. Et il dit, je ne fais pas, ça lui arrive. Tu sais ça, non? Ça veut dire qu'il y a les esprits là-bas, véritablement. Ça dit ton grand-père. Il nous a dit, non? Si on va pas aux funérailles, il va dit ça. Oui, on a des funérailles en 2022. Maintenant, on va faire quelque chose ici, maintenant, devant le nom du Seigneur Jésus. Si vous voulez. Parce que ça arrive, j'envoie le tonnerre là-bas. Si vous aimez la personne, ou bien on n'envoie pas le tonnerre. On envoie le tonnerre. Nous avons la puissance pour le faire. Parce que nous, on est combien en 2022? On n'a pas la puissance. Oui, c'est pour ça que je suis venu là aussi. On n'a pas le tonnerre là-bas. Attends, on ne va pas y aller. On a bien vu dans Jérémie qu'il ne faut pas y aller. Ésaïe chapitre 8, ouvrez le pan. Franchement, non, c'est ange. On fait tu comment? Tu ne peux pas être conscient et en même temps inconscient, ce n'est pas possible. Tant que nous serons sur la terre, il y aura des gens pour relayer les plans du diable. Tant qu'on sera sur la terre, il y aura des gens pour relayer la volonté de Dieu. Je n'ai pas parlé de la vie chrétienne, de la volonté de Dieu. Oui. Et donc, de l'autre côté, il y aura des deux serviteurs jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui, alléluia. Ésaïe, combien, pardon? Chapitre 8. Donc, il y a des gens comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, je voulais te poser la question que toi, connaissant donc les deux voies et connaissant que cette tradition vient de Dieu, dans ce cas, quand t'as dit, pourquoi tu appelles un ancien ici au Cameroun pour lui demander ce qu'il faut faire? Pourtant, tu sais ce qu'il faut faire. Pourquoi toi tu veux t'appuyer sur quelqu'un pour dire que c'était parce que si c'était moi, il ne te répondrait pas. Il te disait que non, raccroche, je mange un dollar et puis je te rappelle, il ne te rappellerait pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut que les chrétiens arrivent au niveau, ils vont prendre position pour la parole sans s'appuyer sur quelqu'un. D'accord. Tu ne peux pas savoir que ça, c'est le coutume des démoniaques et puis tu appelles le frère, je ne veux n'importe qui pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Puisque tu as la réponse, tu ne tiens pas ferme par rapport au frère Junior. Parce que si on m'arrête quelque part pour mon plat, je vais défendre ma cause. C'est ce que moi j'ai fait pendant tout le... Mais tu as fait séjour. Là, quand j'étais au DEI, quand tu as fait l'enterrement la semaine dernière... Quand tu as appelé, tu as insisté pour que tu... Non, 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 non.
Oui, bah, pour ça. Moi, je voulais dire, justement. Non, parce que moi, c'est mon ressenti, j'étais là au deuil. Oui. Maman, elle a toujours été ferme, même depuis Paris, avant que le deuil commence, qu'on ne fait pas. Ça joue telle chose, telle chose. Qu'on ne fait pas telle chose et tout. Mais arriver sur place, il y a une pression. Oui. Parce que ce n'est pas une personne, deux personnes. C'est là où c'est devenu intéressant. Il y a une pression très forte, même si elle était convaincue et qu'elle a sa pensée. Oui. Il y a une pression. Mais quelle était la réaction à partir de ces pressions? Non, maman, elle a fui. Hein. Elle a fui. Non, mais c'est vrai, elle est partie. Oui, c'est ça. C'est ce que la Bible déclare. Si vous allez dans une ville où on ne vous entend pas fuir dans une ville, c'est comme ça. Elle a fui. C'était énorme. Bon, et si on laisse la main, on dit que non, la femme là, on l'a perdue. On cible la fille. On dit, ange, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, la même chose que maman. Tu vas fuir, tu vas faire la pression. Tu peux t'élire vraiment. Bah, je sais qu'il y aura des représailles, c'est sûr. Et si on dit que si tu ne fais pas le lendemain, tu vas avoir ton pied enflé, tu vas handicaper, et que le lendemain, effectivement, tu vois que ton pied enflé, on vient maintenant vers toi, on dit, est-ce que tu as. Ça, c'est l'avertissement, on risque de couper ton pied, t'amputer. Est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que la pression peut aller jusque-là. Oui, bien sûr. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne vais pas dire. Si c'est Jésus qui te dit, ok, si tu tentes d'aller là-bas, tu vas aller en enfer, qu'est-ce que tu diras? Si c'est Jésus lui-même qui m'a réveillé, je ne vais pas. Tu ne vas pas? Non. Bon, sa parole dit que tu n'es pas y aller. Donc, tu sais maintenant ce que tu vas faire maintenant, si quand il fait. Bon, quand les gens disent que non. S'il ne veut pas contrôler la Bible, dit que Jésus même lui le dit. Il a dit que vous sondez l'écriture, tu crois avoir donné, c'est elle qui rend témoignage de qui il est. Donc, si tu connais que Jésus est dans sa parole, sa parole a déjà dit. Donc, s'il vient physiquement, il va dire, je t'ai dit, ce que Junior a dit là, c'est vrai. En tout cas, c'est pas moi qui dis, parce que la Bible qui est écrite devant toi, je parle de la Bible écrite ouverte devant moi. C'est toi qui as ça ouvert devant toi, c'est ce qu'il dit. Ah là là. C'est le chemin, la vérité, la vie. Ça ne peut pas changer. Quand Jésus se réveille, il se réveille d'après sa parole. Mm-hmm. Comme il a dit quelque chose dans sa parole, il ne peut pas la changer. Mm-hmm. Et donc, quand il vient vers toi, il dit les coutumes des peuples ne sont que vanité. Comme il a dit que c'est comme ça, vanité, que dans ce démoniaque, il ne veut pas dire non, que les. Non, ange, on comprend que le Jésus a sanctifié les coutumes des peuples, tu peux faire ça. Paul a dit que j'ai dit que c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie pour des démons et non à Dieu. Fin de citation. Et il continue en disant, et je ne veux pas que vous ayez des communions avec des démons. Donc, ça veut dire que si tu parles faire ça, de sacrifice, tu communes avec les démons. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Lévitique. Que si tu le fais, tu es en contact avec les démons. Là-bas, on utilisait le mot souillure. Parce que ce n'était pas révélé à ce moment-là, la chute des démons. D'accord. Ok, on revient maintenant à notre sujet principalement. D'accord. Dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 8, on va commencer le verset 19. Verset 19. Ok. C'est hier. Chapitre 8, verset 19. Ça va? Toute question biblique a une réponse biblique. Dans cette première phase, nous sommes de voir la coutume face à la parole de Dieu. Nos coutumes. Parce qu'il n'est pas question de la coutume africaine. Parce qu'on a vu clairement là-bas qu'il s'agit de toutes les traditions de la terre. Donc, Charles, ça veut dire que quoi? Si quelqu'un m'écoute, il est de la Martinique, il est de Guadeloupe, il est des Antilles, des Indes, des Indes. Pour faire n'importe quoi, quand on passe à l'aéroport, on fait le check-up sur vous. Quand on passe, il y a une maison, il y a une petite cage dans laquelle vous passez. Mm-hmm. Quand tu passes là-bas, ça fait pip. La personne qui est devant toi te dit que tu as des métaux sur toi. Il ne dit pas que tu es hindou. Le son là fait pip. Que tu sois blanc, noir ou comme ça, c'est pas ta peau qui signale là-bas. Alléluia, amen. C'est le métal, c'est fait pour le métal. Alléluia. Donc pour aller au ciel, on sait pas le pip. Tu vois, quand il s'en est parlé, il y a l'autre qui signale par ici là. Voilà, okay. Pip, voilà le pip là. Donc, pour que le Seigneur, pour regarder la sanctification, c'est ici on te passe au travers. Quand ça passe dans ton vrouvrou, un verset t'attrape, tu vas entendre pip. Donc, tous les coutumes des peuples doivent vérifier au travers des saintes écritures. C'est ce qu'il en est. D'accord? Verset 19. Chapitre 8 d'Ésaïe. Ok. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Stop. Donc, ça dit que Dieu donne les choses qui pourront arriver. Il dit que si on te dit à toi, ange, qu'allons voir notre grand-parent au village qui fait consulter les morts, il va dire ce que les ancêtres disent, il va dire ce que les grands-parents disent, ou bien ceux qui vont faire pousser des sifflements pour nous donner l'avenir. Il dit, voici la réponse que tu as dit. Allons-y. La suite. Et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Donc, on dit que tu dois répondre. C'est ce que Dieu a dit. Donc, il a dit que si on vous dit telle chose dans la tradition, dis ceci. Allons-y. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Oui. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Tu as entendu la réponse, non? Il dit, mais dis-leur, comment vous laissez Dieu pour aller consulter les morts en faveur des vivants? Parce que quand il est mort, la mort, c'est la dernière phase de la vie des vanités de l'homme sur la terre. Et quand on parle comme ça, c'est dans une période, dans une zone de transition maintenant pour aller dans l'autre rideau du temps de l'éternité.
D'accord. Oui. Donc, il dit ici que si quelqu'un te dit que, alors considère les ancêtres, dit non, considère plutôt Dieu. Parce que les ancêtres n'ont plus rien à faire avec nous. Mm-hmm. Il dit consulterons-nous les morts en faveur des vivants. Donc, il veut par là dire qu'on ne doit pas consulter les morts en faveur des vivants. C'est Dieu qu'il faut consulter. Amen. Je crois que ce sera un peu plus clair, non? C'est vrai que. Voilà. Allons-y maintenant. Verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, nous répondrons pour le peuple. Alors, maintenant, il dit à la loi et au témoignage. On prend ces deux-là. Qu'est-ce que la loi dit? Nous avons vu dans Lévitique, chapitre 19, verset 31, que si quelqu'un n'est consulté par les esprits, n'allez-vous pas vous suivre ça? C'est l'une des parties de la loi. Il dit au témoignage. Qu'est-ce que le témoignage des écritures montre? On a vu clairement que toute personne, quand Dieu a envoyé Israël sur le territoire, il avait dit qu'on casse les statues des magiciens, on casse tout. Le témoignage montre clairement que les saintetés du Seigneur ne consultent pas les esprits. D'accord? Amen. Il dit, si on ne le parle pas, ça veut dire que si on ne marche pas dans cette voie-ci, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est la période du matin quand on se lève pour commencer à voir clair dans son futur. Amen, amen. Donc, si on ne parle pas comme ça, le futur ne sera pas brillant pour le peuple. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce n'est pas les gens des traditions qui gâtent ton futur. C'est le Dieu qui contrôle l'aurore, la journée, le midi et la soirée. C'est-à-dire le Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Et il faut parler selon sa loi et selon son témoignage pour que ta vie change. Oui, ma chérie. Oui, en fait, ce que tu dis, j'ai pensé à ça fortement pendant le week-end dernier. Hein. C'était vraiment un grand week-end pour moi spirituel. Oui. Parce que depuis que je suis née, j'ai jamais été confrontée comme ça, oui. Jamais, jamais, jamais. Mmh. Je suis sortie très jeune et mon papa aussi n'aimait pas ce genre de choses. Mmh. Donc, du coup, quand il y avait des deuils comme ça, il partait à l'enterrement et après l'enterrement, il rentrait, il disparaissait. Mmh. Donc, être au front comme j'étais tout le week-end dernier, c'était... C'était nouveau, c'était dans un combat terrible. C'était... je n'ai jamais assisté à un deuil. Mmh. Jamais ici au Cameroun. Jamais, jamais de près. Et tu viens, on veut te mettre dans les... Là, c'est moi qui étais vraiment l'aîné de la famille de ce papa qui est mort. Donc, tous les esprits, toutes les choses étaient braquées sur moi. Et l'âme était focalisée sur toi. Sur moi. Que ce soit financier, spirituel, échappé. Oui, voilà. Donc, le combat était très, 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 très rude. Mais j'ai pu mener ce combat-là. C'est pas encore terminé. Oui, oui, c'est pas terminé. C'est pas terminé, pas du tout, ce n'est qu'un début. Oui, oui, ce n'est qu'un début. Et du coup, je me posais toujours des questions. J'ai dit, mais attendez, moi, je suis en Europe. Vous êtes ici à la source des traditions. Et c'est vous qui me courez après pour avoir ci, pour avoir ça. Bon, je me posais tout le temps cette question. On veut qu'il y ait une alliance entre toi et eux. Oui, mais... Parce que même si ce n'est pas comme on veut que quelque chose vienne de toi pour leur donner, pour qu'ils partent de l'argent. On dit que, on va dire que voici ce que Abigail a donné. Donc on te lit là-bas. Parce qu'il y a des personnes qui disent non, je ne veux pas participer, mais je vous envoie l'argent que vous faites. Quand tu le fais, ce n'est pas l'argent, l'argent qui est là. Parce que l'argent, les développements, c'est pas l'argent. C'est ta volonté, la même d'association. C'est ça qu'on parle de la marque de la belle. La marque de la belle, ce n'est pas un numéro qu'on va mettre sur quelqu'un. C'est la marque d'association. Tu dois adhérer. Tu comprends ça, ma soeur? La main d'association, quand on dit que tu la main, ça ne veut pas dire que tu vas prendre la main, on va mettre une marque, ça. Sinon, tu peux couper ta main. Oui, mais comme j'ai acheté des. C'est moi qui ai acheté la nourriture, tout ça là. Bon, bref. Tu vas lire. Tu vas lire l'heure. Donc, vous voyez que en réalité, c'est parce que. Oui, mais. Pardon. Il fallait quand même recevoir les gens. C'est ce que j'allais dire. On allait pas recevoir les gens. Non. Recevoir des gens dans une festivité, c'est autre chose. Mais donner pour le cadre d'une tradition, c'est une autre chose. Pour faire des sacrifices. D'accord, pour faire des sacrifices. Nous sommes déjà parlé dans le cadre où, parce que si les gens viennent, par exemple, vous voir, vous pouvez leur acheter quelque chose. Nous avons mangé, nous avons festoyé autour de la table. Mais si cette même table est mise ici et vous dites que nous faisons ceci à l'honneur de notre grand-père, l'ancêtre qui a dit qu'on fasse ça, à cet instant, il quitte la table. Oui. Tu vois, pourtant, c'est le même repas, c'est la même table, mais on a invoqué une divinité. Cette table-ci devient maintenant la table de cette divinité qui s'y est là derrière. C'est pas ça que je comprends. D'accord, tout à fait. C'est un peu comme la table de quoi, de, lorsqu'on peut faire la Sainte-Seine. Quand tu prends la nourriture chez toi, c'est ta nourriture. Dès que tu mets sur la table, en signe de la commémoration du repas du Seigneur, à cet instant-là, c'est le Seigneur qui ordonne derrière cette table-là maintenant. Quelqu'un qui fait une bonne fausse route là-bas, il peut mourir à cause de la table. Pourtant, c'est même sur ton repas que tu as préparé en arrière pour venir avec. C'est pas ça que je comprends. D'accord. Parce que, ainsi, nous. Et cette même table-là, le lendemain, quand on fait notre assemblée, on mettait la nourriture, on partage en agapé, oui, ça ne dira pas. Parce que ce n'est pas la même solennité. D'accord. Donc, lorsqu'on invoque une divinité derrière un autel, l'autel devient consacré. Donc, ça veut dire ça se devient un lieu, comment on appelle l'autel, un lieu siège de la divinité. Tu vois cela? Donc, ça veut dire que si vous faites votre réunion parce que vous accueillez les gens, il n'y a pas de problème. Que ce soit même n'importe qui vient, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le monsieur se lève et dit ok, nous consacrons ce moment-ci maintenant pour notre Dieu et les traditions, il faut quitter la scène. C'est ça. Tu comprends? Parce qu'à cet instant-là, il invoque une divinité. Les démons. Amen. Amen.
des questions. C'était un grand détail. Il faut bien expliquer cela. Il faut bien expliquer parce qu'il y a vraiment. Il y a des gens, imaginez que vous allez chez le marabout, il y a des gens qui apprécient le marabout parce que l'autre dit que l'autre marabout ne prend pas l'argent, l'autre marabout c'est le menteur. Dieu ne dit pas qu'on n'est pas chez le marabout parce qu'ils sont des menteurs. Non, c'est pas ça. Parce qu'un marabout peut dire la vérité. Enfin, d'autres, la majorité disent même la vérité. Ils peuvent te donner les détails même dans ta vie que le pasteur lui-même ne peut pas donner. Parce qu'il travaille avec les esprits. Or, ce même détail-là, le Saint-Esprit ne voudrait pas qu'on vous les révèle. Parce que c'est pour ça qu'il blâme le pasteur, il n'est pas connaître de quoi il est question. Quand Satan est venu dire à Adam et à Ève ce qu'il fallait faire, s'ils font telle chose, ce n'était pas à lui d'expliquer quoi que ce soit sur le plan spirituel, parce qu'il n'y avait pas quoi que ce soit entre lui et eux comme créateur. C'est Dieu qui décide de cacher. On dit, c'est notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il cache les choses cachées c'est pour lui, les choses révélées c'est pour les enfants. Donc c'est à lui de révéler les choses à ses enfants. Ce n'est pas aux divinités étrangères de révéler, c'est Dieu qui révèle. Donc le fait de consulter quelqu'un d'autre en dehors d'une source divine de Dieu, de se consulter, à cet instant tu t'as lié avec le diable. Donc j'étais en train de dire, quand Dieu intéresse ces choses, parce qu'il y a des gens qui disent, non, le marabout, j'aime le marabout parce qu'il ne prend pas l'argent. Il y a d'autres qui prennent seulement 5 francs. Ce n'est pas le 5 francs dont j'ai une question. Donc tu crois qu'il vit avec 5 francs? Non. Donc il est tellement fou pour qu'il vienne faire le travail pour 5 francs. C'est trop fort. Les gens ne comprennent pas. C'est ton âme qui est plus cher que cela. C'est 5 francs. Parce que Satan lui dit, si tu m'amènes deux chrétiens ici, j'augmente ta puissance, tu t'as renommé. Or, comme il y a la gloire, il s'en fout donc de ton argent que tu vas faire. Parce que la gloire, il va avoir l'argent. C'est ton âme. De l'âme qui est le problème. Actes Apôtres, chapitre 16, lisons cela. Merci Seigneur. Donc, il y a des gens qui disent, non, j'aime le marabout, ne prend pas l'argent, l'autre dit la vérité. C'est ton âme, c'est ton âme. Dieu n'a pas dit que ne partez pas le marabout parce qu'il n'y a pas de verset qui dit que le marabout sont les menteurs. Il a dit, ne les visitez pas parce que votre âme est en jeu. Vous devez être souillé avec eux. D'autres disent qu'ils travaillent avec la Bible. Qui travaille avec la Bible? Parce que j'ai vu l'image de Marie, j'ai vu la côté de Jésus derrière, justement. On appelle ça la séduction, le camouflage. Et après, on prie. On prie même. Parce que non, le marabout l'a même dit qu'il lit le sauve beaucoup. Vous savez, les sommes qui font le travail. Comme ils ne connaissent pas la Bible, tu ne peux pas prendre la Bible pour faire le maroutage, ça va te tuer. C'est pas possible. Que je prends la Bible, quand il prend la Bible, il lit la Bible en envers. Tu ne peux pas lire la Bible en envers. Le Saint-Esprit va t'aveugler. Il peut faire ça avec le Coran, avec les trucs des sunnites, des mantras et autres là-bas. Il ne peut pas faire ça avec la Bible. Donc quand il met la Bible là-bas, il sait que s'il lit ça, même le démon lui-même va gifler. On y va là, nous sommes dans quelle Bible là? Il dit qu'il y a acte 16. Acte d'après, chapitre 16. Disons le verset 16. Donc, je crois qu'elle va lire à partir du verset 15 et 16. On lit une femme là-bas, on va voir ce qu'il a. Acte 16, va faire combien? Verset 15 et 16. 15-16. Comme Lorsqu'elle eut, j'ai... Bon, lis à partir du verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Il est question de Lydie ici, d'accord? Continue. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Tout ce qu'elle a dit était vrai. Allons-y. Elle fit cela. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Voilà. Maintenant, si c'était nous maintenant, dans les églises, quand les gens prophétisent par divination, on est des hommes prophétesse. Si c'était nous, pasteurs, je t'ordonne de mettre cette femme, waouh, elle a reçu une révélation. Paul, la femme, ne nous connaît même pas. Elle sait que tu es un serviteur de Dieu très haut. On devait la nommer prophétesse internationale. Oui. Il y en a beaucoup. Plein. Beaucoup. Il suis allé dans des endroits, j'étais avec mon épouse, j'ai vu quelqu'un qui les délivrait avec les esprits mauvais au travers d'autres esprits. C'est-à-dire que la femme, il a fait sur son, il dit que là voilà aussi, elle est là-bas, elle est cachée là-bas. Parce qu'il dit qu'elle est cachée, feu là-bas. Donc, il utilise une femme en transe, sur onction, pour qu'elle lui dise là où les autres demandent c'est tout. Il dit ça, c'est terrible. Tu vois, on dit, ils allaient en lieu de prière, il y avait une femme qui était un serviteur, qui avait l'esprit de plutôt et qui, en devenant, procurait un grand gain à ses maîtres. Donc, la personne qui avait l'onction avait des maîtres qui recevaient des récompenses par rapport aux divinations qu'elle faisait. Tu vois? Et quand il a vu Paul, il a dit, ces hommes-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Or, elle ne sert pas Dieu. Et c'était vrai. C'était la vérité. Et le plus grave, c'est qu'il vous annonce la voie du salut. C'est qu'elle prêche là, c'est pas le salut. Parce qu'elle fait la divine. La divination ne conduira jamais quelqu'un au salut. Mais ce que Paul prêche, parce que Jésus qui dit prêche, parce que j'ai un peuple nombreux à Sévigny, Paul prêche, les gens sont sauvés. Et elle révèle aux êtres humains qui sont là-bas que Paul prêche la voix de Dieu du salut.
Donc, si vous voulez être sauvé, c'est Paul qui prend la vraie voix. Mais c'était un très grand message pour que Paul dise waouh! Ouais, 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 ouais. La femme se connaît. Mais Paul l'a dit non. Tu vois cela? Donc, la voix du salut ne doit pas venir par révélation prophétique. Tu dois être sauvé, tu vas croire à la prédication de la croix. Donc, ce n'était pas elle de dire la vérité. Ce n'est pas elle. Ils sont dit que justement, quand c'était nous aujourd'hui, on devait dire waouh, laissons-la elle dire la vérité, qu'on est les choses spirituelles. Pourtant, tout ce qu'elle dit est vrai, il n'y a rien. Donc, le problème, ce n'est pas que le marabout dise quelque chose qui soit vrai ou pas, c'est la source. Il faut refuser cette source-là. C'est ça que si il dit, vous voyez, j'ai porté quelle couleur là? Non. Si Dieu veut dire que waouh, frère Junior, tu as porté le bleu. Satan dit que waouh, ton Dieu ment, c'est le blanc. Je regarde comme ça. Moi-même, je vois que c'est blanc. Je crois ce que Dieu a dit. Je crois que c'est le bleu qui est vrai. Parce que la Bible déclare que Satan est le père du mensonge. Donc s'il dit n'importe quoi, c'est le mensonge. Même si tu vois que c'est vrai. Donc on se comprend jusqu'à la maison. Alléluia, amen. Voilà. Donc il n'est pas question du fait que la femme là est sincère. L'autre, c'est la femme là, elle ne tue pas. On n'a pas dit qu'elle tue quelqu'un. Elle a dit la vérité. Quand tu viens là-bas, tu dis que oh, je connais qui a tué ta famille. Elle fait c'est ton grand-père. Tu as un grand-père qui s'appelle Téchou. Il dit oui. Quand tu étais allé, Téchou, tu t'avais donné le mari. Oui. Et il t'a dit même que comme tu sors là, il va te traiter. Oui. Il dit c'est lui qui allait faire ça. Il dit ouais, merci beaucoup, Mani. C'est qu'elle a dit est vrai. Ouais. Mais ton âme est au diable. Waouh. Vous voyez? Quelle est la récompense de l'autre côté? S'il veut du côté du Seigneur, Seigneur, daigne me révéler cela. Parce qu'il a dit, si l'on dit constituer ce qui est vous, ne s'exprime le mort. Dites, un peuple ne constitue pas son Dieu. Le vrai problème, c'est que l'être humain, fondamentalement, n'aime pas souffrir. Et voudrait donc le. Comme c'est pour ça que chez vous, il y a le fast food. Dieu dit que le macabre a un temps de cuisson. On dit le macabre a un temps de cuisson. On met là-bas, ça sort là-bas. Il faut qu'il ait la révélation. Là. Il mange en même temps. Oui, il mange. Vous savez, on peut fast food, non? Quand il fast food, tu vois, maintenant, ça commence à gonfler ici. Comment ça gonfle comme ça, fast food? Parce que fast food égale fast maladie. Oui. Oh, Dieu a dit le temps de cuisson, là, c'est pour faire. Quand tu manges, ça fait le délit de ton corps. Maintenant, quand les gens n'ont pas l'assiduité et la patience dans la prière, ils veulent que leurs problèmes soient là. Oui. Ils ne savent pas que des problèmes sont dans nos vies pour nous persévérer devant le Seigneur. Parce qu'en réalité, plus nous demeurons dans la présence de Dieu, Dieu note pas seulement des difficultés que nous avons, Dieu transforme nos caractères pour lui plaire. Amen, alléluia, amen. C'est pour ça que des gens vont recevoir la prophétie pour avoir une chose. Il a la chose, il continue dans le monde. Parce que le caractère qui est attaché à cette prophétie n'a pas été transformé. Et par contre, ouais, quelqu'un qui a la prophétie, il a une grosse voiture, mais il continue à vivre dans la débauche. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Mais quand c'est que ça obtient par difficulté et que le Seigneur transforme ton caractère, tu sais d'où tu es sorti. Oui. Tu vois cela? Oh, chez Satan, ce n'est pas ça. C'est pour ça que la prophétie satanique ne peut pas être attachée et contribuer au salut. Jamais. C'est éphémère. On se comprend jusque-là, justement. Tout à fait. Donc, ça veut dire que quand tu dis. Parce que je suis en train de ça par rapport à ces personnes qui viennent devant. Comme je dis tout à l'heure, tu viens te dire c'est ton grand-père qui a fait tes choses. Tu vois que là, tu as un problème. Il dit ok, je vais te faire tes choses, je vais te résoudre cela. Le simple fait que tu l'as consulté, ton âme est déjà chez le diable. Donc, même si tu n'as pas que bonté sur la terre, je sais, elle a posé la question à quoi servirait-il de gagner le monde si il perdait son âme. Donc, ton âme, c'est ton âme qui est en jeu. Tu vois? Donc, je préfère donc vivre et que cette difficulté, si me tue, mais que mon âme soit sauvée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un peut être sauvé sur le plan spirituel, mais vivre dans les difficultés jusqu'à ce qu'il quitte cette terre-ci avec cette difficulté. Alors, de l'autre côté, quelqu'un peut être dans de l'autre côté de l'enfer plus tard, mais vivre sur la terre-ci sans difficulté. Parce qu'il a ses physiques. Physiquement, il n'a pas de difficulté. Dieu dit qu'il attend à la fin. Moi, je suis, n'est-ce pas? C'est clair. C'est pour cela que je préférerais que ce soit n'importe quoi, que ça peut me conduire jusqu'à la mort. C'est à ce point-là. Que même si n'importe quoi, tu peux me conduire jusqu'à la mort. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand c'est fort, on peut empêcher le marabout, résoudre le futur, bien sûr. Je dis, Seigneur. Seigneur, tu travailles même aussi avec les marabouts, non? Toutes choses te sont soumises. Tu commences à trouver des alternatives pour te consoler, pour dire, même Dieu va comprendre la fesse, que c'était trop fort. L'exemple de. Les plans B. Que Dieu va comprendre. L'exemple Dieu est miséricordieux. Oui. N'est-ce pas Pierre l'a donné trois fois, il n'a pas pardonné. Si tu commences à tailler tes propres standards, tes propres mesures. N'est-ce pas, excusez l'homme qui était. L'homme qui était à la croix. S'il a volé dessus déjà, est-ce que moi je tue quelqu'un? Et ce moment-là, alors que tu viens de franchir la ligne rouge dont le chemin ne peut retourner. Amen. C'est fort. Hein. Amen. C'est très fort. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On sort de la tradition, n'est-ce pas? Mais oui. Tu veux qu'on sorte de la tradition? On lit un dernier verset, on est sorti de la tradition. On peut sortir de la tradition? Oui, c'est bon. Non, moi j'avais quand même une question par rapport à cette tradition-là. Mais avant que tu poses la question, je veux qu'on retienne ceci. Il y a des groupes qui se lèvent maintenant pour dire que la Bible a été importée des Blancs.
Oui, oui, ça, je veux que ça soit clair maintenant que les blancs n'ont rien à voir, il n'y a pas une pensée humaine ici à l'intérieur. La Bible dit que c'est la pensée de Christ. Christ n'est pas un blanc. Christ, parce que Christ dit quoi, n'est pas un noir. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. C'est pour ça qu'il peut être dans la femme, dans l'homme, dans le païen, dans ceci, il fait ce qu'il a à faire. Dans la création, il fait ce qu'il a à faire. Il n'est pas question de la pensée des blancs ici. Deuxième chose qui est dit ici et qu'il faut qu'on retienne, c'est que aucun serviteur du Seigneur de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, n'a apporté une religion sur la terre. Personne n'a établi une religion sur la terre. Bien plus, tous, sans exception, a prêché et annoncé une vie de réconciliation avec le Créateur. Avec le Créateur. C'est ça l'autre question. Amen. Allons-y. Quand c'est par rapport au lien, je pense que tous les Africains doivent avoir le lien alors. Automatiquement. 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 Bon, quand la Bible parle que suivez la voie de vos pères, tu vas suivre ta part de père, tu vas suivre quelle voie? Puisque la Bible dit clair que suivez la voie que vos pères ont choisi. Bon, ton père suivait quelle voie? Si tu suis la voie de son père suivait quelle voie? Je dis, crois qu'on ne les sache pas. Parce qu'il y a certaines personnes. Je prends un exemple simple. Prenons le cas des Bassa. Tu vois les Bassa et par conséquent les Bamileke. Tu les vois lorsqu'on est sur le plan politique. On est plus sur le plan politique. Les gens commencent à s'en vanter. Que ouf, autant de maquisants ici. Ouais, nos ancêtres, les bonbons sont partis. Ils avaient des secrets. Tu venais au champ comme ça pour attraper quelqu'un. Il devient le goyavier. Dieu a créé les hommes qui deviennent le goyavier, frère. Non, jamais. Entre le goyavier et l'être humain, qui a le plus grand standard? C'est l'être humain. Donc pour eux, ils s'en vantent en disant, quand tu deviens le goyavier, ça dit que tu es puissant. Bon, quand tu quittes la création la plus majestueuse à une créature minime, tu as augmenté ou tu as diminué? Diminué. Mais il a esquivé à l'arrêt, peut-être des militaires, mais en diminuant le statut. D'autres disent, quand ça ne va pas, il devient même le serpent. Je glisse là, je sors. Bon, où je deviens la mouche ou le cafard. Le cafard, frère, on fait quoi? Le cafard, c'est quoi? Je pense que vous comprenez ce que j'ai dit. Toutes ces choses-là, c'est or, aucun être humain ne peut monter en statut. La Bible déclare que les anges qui sont puissants, qui sont grands en puissance par rapport aux hommes, les autres êtres humains qui ne sont pas l'autorité, les injurient les gloires. Donc, tu ne peux pas voir que ces personnes sont devenues plutôt les anges. Ce n'est pas possible. Ils régressent plutôt. Mais cette régression fait que les gens s'en vantent. Vous entendez quelqu'un dire que j'ai devenu la mouche, je passe par le truc du ventilateur, il sort. Il s'en vante. Il est devenu la mouche. C'est la mouche que tu tues souvent parce que ça vient déranger ta nourriture. C'est là où il est devenu. Il s'en vante. Maintenant, tu sors de cette famille-là où les gens utilisaient ces stratagèmes pour rabaisser la créature. Tu as quel lien? Est-ce qu'on se comprend? Non, mais le problème, c'est que quand tu suis la télévision, les gens s'en vantent plutôt que non. Notre tradition, le père avait des grandes traditions où, quand on venait, bon, avec toutes ces traditions, pourquoi on n'a pas vaincu dans le colon? Je t'ai dit, moi, c'est ça que je me posais cette question-là tout le week-end. Je dis, mais les gens sont là dans une misère incroyable. Mais ils vont voir le chef leur demande un whisky pour un rien, il faut un chèvre, il faut un mouton, il faut un bœuf. Et vous en pouvez. Vous êtes pauvre. Mais vous entendez dans votre coutume de l'Ouest, vous entendez qu'on dit que le roi, si son totem, c'est un animal. Ah! En même temps, quand tu as quelqu'un, tu as un animal, pour ça, il se fâche. Même si tu dis que ton roi est un animal. Qu'il est le lion. Comment on en est arrivé là, mon Dieu? Quand je résume un peu, je vois qu'on est tous dans les liens. La délivrance commence par ce qu'on est en train de dire là. Oui. C'est pour cela qu'il faut connaître cette vérité. C'est Jésus. Or, toutes ces choses-ci ont été prophétisées. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 19, Dieu avait dit clairement qu'il y avait des coutumes bizarres en Égypte, en Afrique, et ils doivent amener un meurtre pour qu'un meurtre domine sur lui, pour qu'il confonde les dieux égyptiens. Et puis, donc, Dieu prophétisait la traite négrière et la déportation des noirs dans le monde. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il a prophétisé le moment de la restauration que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc, il y a un réveil sur le plan africain qu'on s'est positionné. Et il y a encore une divinité. Cette divinité va se confronter à la divinité biblique. Donc, et Dieu fait cette dernière réveil pour châtier les divinités égyptiennes. Donc, Dieu va rompre les liens qui dominaient sur l'Égypte. Amen. C'est bon? C'est pour ça que les Noirs, j'entends tous les noms, viennent d'Égypte. Les autres disent qu'on sort d'Égypte. Quand ils disent sort d'Égypte, en fait, c'est pas l'Égypte physique. Oui, oui. Parce que la rose ou quoi sort de l'Égypte? La franc-maçonnerie sort de l'Égypte. Quand tu entends la pyramide d'Égypte, pourquoi cette fascination des religions à mystère dans l'Égypte, dans l'Égypte antique? Quand tu lis le livre des morts, bon. Donc ça. En tout cas, l'Égypte est possédée. Il faut détruire les liens. Ce n'est que le Saint-Esprit peut le faire. Amen. Oui, il n'y a que le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le réveil que tu déverses en Afrique. Merci pour ta pluie. Parce que tu as dit que tu vas essuyer les larmes et rompre les liens qui a rompu les hommes. Tu vas châtier les divinités égyptiennes. Merci pour l'Afrique que tu visites. Donc il y a des grands moments qui attendent l'Afrique. Amen. Des grandes confrontations. Vous entendez les gens. Vous voyez, regarde par exemple le pays comme le Bénin.
bien le Togo. On dit que le voodoo est puissant là-bas. Il ne peut pas gagner une Coupe d'Afrique. Bon, comment, pourquoi il gagne une Coupe d'Afrique? Bon, moi-même, pas que pas la qualité qu'on m'a dit, j'ai vu un match de football quand j'étais petit où il pleuvait dans un côté et il faisait noir dans l'autre côté. Il y avait deux marabouts, l'autre avait mis les allemands sur ses dents comme ça, de l'autre côté, dans le côté du goal. Ils ont juste arrivé au niveau de tir au but. Le monsieur dont je parle, qui était gardien, là, il est encore vivant, mais il est militaire maintenant. S'il vient, il veut le montrer que le voici, il va dire ce qui se passe. Il a pris un remède qu'on avait donné comme ça, ça sentait. Il a mis au sol comme ça, sur la ligne de blanche, là, mettre sur le poteau. Aller au milieu comme ça, là. Quand il fait comme ça, là, quand il fait sa main comme ça, il ferme ça. Il a fermé. Il ferme le goal. Ça veut dire qu'il réduit le goal comme ça, là. Spirituellement, mais tu vois le goal qui est grand. Il part de l'autre côté du poteau, s'assoit là-bas, il dit tire, n'est pas comme ça, n'entre pas. Tu pousses le ballon part comme ça. Tu vois comment le ballon est parti tout droit. Ça fait comme ça, ça passe au côté du poteau, ça entre là-bas. Ils font comme ça, ils tirent, parce que même moi, au tir au but, c'est match nul. La bagarre commence au stade entre les marabouts. Moi, je pose la question. Là, c'était un match de deuxième division. Imagine alors, c'est très un match de deuxième division. Avant de sortir comme ça, ils ont dormi au cimetière. Bon, quand pas dormi au cimetière, c'est chez les morts, chez les vivants. C'est vivant, les morts. Qu'est-ce qu'on invite au stade en réalité? Qu'en plein midi, un côté devient noir, tu prends le ballon, tu arrêtes ici, tu vas dans le noir, tu ne ressors pas comme ça. Tu entres comme ça, tu sors, tu es mouillé, tu reviens ici, il y a le soleil. L'habitude au milieu, on entre le malassé. On tire le ballon comme ça, quelqu'un attrape comme ça, le ballon comme ça. Les gangs qui sont en train de se mettre, c'est du chien. Alors que c'est le ballon. Ça, tu comprends? Amen. Ok, quand on fait ça avec toutes ces puissances-là, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ça leur dit concrètement que s'ils font ça, ils avancent en face d'eux, même si vous ne voyez pas, il y a plus puissant que eux. Bon, ouais. Si tout le monde se tourne vers l'Égypte, quand les Égyptiens viennent, non. Donc, ça veut dire que vous venez chez eux pour prendre la puissance. Eux, ils ne connaissent pas la puissance qui est chez eux, alors. Mais non. Bon, quand vous faites comme ça, ça veut dire que vous avez la rumba chez vous, là-bas, les Brésiliens, là-bas. Quand vous allez finir avec votre match, venez gagner les Brésiliens parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a au-delà du voile, au-delà du ballon rond, les esprits interplanétaires qui poussent le ballon. Colo, terme, vraiment. C'est pour ça que ça, il faut seulement encore revenir à la Bible, la simplicité de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. On baisse la tête, on prie donc pour la première session. Si alléluia, amen. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour cette révélation sur notre tradition face à la parole. Merci Père de gloire de sanctifier nos cœurs, sanctifier nos âmes et donne-nous de prendre position pour ta parole. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de prendre position à chaque fois, ô Dieu de gloire, que nous allons suivre les voies, les divinités étrangères et que nous prenions position véritablement pour toi. Car c'est toi qui dis et la chose accomplie. Seigneur, nous ne devons pas craindre les divinités étrangères ni les coutumes des peuples. Tu nous as dit cela. À partir d'aujourd'hui, Père de gloire, je prie que tu ancres la parole dans le cœur des uns et des autres et que tu nous donnes de vivre d'après ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés.
paroles que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez